Merci de choisir Agnetta TV pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. Voici les titres. Le CICB a servi de cadre ce matin à l'atelier d'échange sur l'avant-projet de loi électorale sous la présidence du chef du gouvernement, Dr. Chokel Kokalamaiga. L'affaire honorable Issa Kaoudjim était au cœur d'une séance plénière du Conseil national de transition ce matin. La chancelière allemande Angela Merkel a fait des adieux à la France après 16 ans au pouvoir. Voilà donc pour les titres. Bienvenue à tous. L'atelier d'échange sur l'avant-projet de la loi électorale avec les partis politiques, la société civile et les ordres professionnels a démarré ce matin au Centre international de conférences de Bamako. L'objectif de cet atelier de deux jours est de mener notre pays vers des élections libres, crédibles et transparentes. Cette cérémonie était placée sous la haute présidence du Premier ministre, Dr. Chokel Kokalamaiga. Reportage à cet Maïga, Mounour Djiré. Pour des élections crédibles dans notre pays, la nouvelle loi est une nécessité, d'où la tenue de cet atelier d'échange. La tenue du présent atelier est une autre étape du processus de concrétisation d'une des actions importantes de réforme, d'un des axes prioritaires du plan d'action du gouvernement de la transition, adopté le 2 août 2021 par le Conseil national de la transition. Il est l'amorce d'un autre tournant juridique décisif du processus d'élaboration de notre nouvelle loi électorale. Nouvelle loi électorale en ce sens que l'actuelle loi ayant fait l'objet de modifications et aussi au regard des innovations majeures prévues et qui touchent quasiment à tous les titres composant l'ossature de l'actuelle loi, le choix d'aller à une refonte s'est clairement imposé. C'est ce qui justifie la volonté des plus hautes autorités de notre pays de la soumettre à l'examen d'une masse critique d'acteurs concernés par la conduite du processus électoral, dont la maîtrise de la couverture juridique permet une compréhension commune tout en étant gage d'efficacité, de transparence et d'inclusivité. L'avant-projet de la loi électorale intègre la création de l'organe unique de gestion des élections. Le présent atelier est en effet significatif à plus d'un titre. L'avant-projet de loi qui vous est soumis aujourd'hui intègre comme innovation phare la création de l'autorité indépendante de gestion des élections, qui est supposée ou censée être un excellent levier pour réaliser des avancées démocratiques, comme cela a été démontré dans plusieurs pays. La vision est de ramener sous un seul leadership administratif permanent, professionnel et sécurisé la gestion du système électoral, mais aussi la responsabilité de cette dynamique interactive avec les autres services compétents de l'État lors des échéances électorales et en dehors des périodes d'élection. Cette autorité reprend en effet à son compte et de manière renforcée par endroit les attributions, les pouvoirs de gestion, de contrôle et de supervision conférés par l'actuelle loi électorale au ministère de l'administration territoriale, à la délégation générale aux élections et à la commission électorale nationale indépendante CENI. Il comporte également plusieurs autres innovations. Pour contribuer à restaurer la confiance rompue entre différents acteurs du processus électoral, et ce pour diverses raisons, l'avant-projet intègre beaucoup d'autres innovations pertinentes, parmi lesquelles, entre autres, le choix d'experts neutres, professionnels et assermentés pour composer et diriger l'organe indépendant de gestion des élections, dont l'indépendance est affirmée et la permanence voulue. Le renforcement du monitoring et de la participation citoyenne à travers l'observation citoyenne des élections et l'instauration de l'option du parrainage citoyen, entre autres.
l'affirmation du principe d'adaptation du vote à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'instauration du scrutin proportionnel pour plus d'équité. Le bulletin unique pour impacter significativement le coût des élections. Et bien d'autres innovations. Ces innovations vont contribuer à une régulation efficace des scrutins pour plus de crédibilité et de transparence. Ce n'est qu'à ce prix que la légitimité des futures autorités élues sous l'égide de la nouvelle loi sera sans contestation majeure et facteur de stabilité institutionnelle, d'efficacité de gestion, de viabilité et de crédibilité de notre système de gouvernance électorale. Le Premier ministre chef du gouvernement a exhorté les participants à faire des recommandations pertinentes pour l'atteinte des objectifs. Je reste persuadé qu'au sorti de cet atelier, notre pays disposera très prochainement d'une loi électorale qui donne satisfaction à toutes les parties prenantes de la scène politique, ou tout au moins à l'écrasante majorité de la classe politique. Je vous engage à faire toutes recommandations pertinentes de nature à renforcer davantage la résilience de l'organe de l'autorité indépendante de gestion des élections et du processus électoral au Mali, que les assises nationales de la refondation pourront approfondir. Cet avant-projet de loi électorale est un socle pour notre système électoral pour plus de transparence, de crédibilité et moins de contestation. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 3 novembre 2021 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté un projet de texte, procédé à des nominations et attendu une communication. Les détails avec Aïssata Bachili. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires, sur le rapport du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation de la stratégie nationale de financement de l'environnement et son plan d'action 2021-2025. La communication écrite relative à la stratégie nationale de financement de l'environnement a été approuvée par le Conseil des ministres en sa session du 24 mars 2021. L'objectif global recherché par l'adoption de cette stratégie est de contribuer à la protection de l'environnement à travers un financement accru et cohérent. De façon spécifique, elle permettra notamment d'améliorer la gouvernance environnementale et climatique, de renforcer les capacités des parties prenantes de l'environnement et des changements climatiques, d'accroître les financements environnementaux intérieurs et extérieurs, d'assurer une meilleure coordination des interventions de l'État et des partenaires techniques et financiers. Le projet de décret adopté consacre l'adoption de la stratégie et ouvre la voie à la mise en œuvre des actions préconisées dans le plan d'action. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. Au chapitre des communications, sur le rapport du ministre du Développement durable, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication écrite relative au document de la politique nationale de maîtrise de l'eau agricole et son plan d'action 2022-2026. Le secteur agricole est le pilier de l'économie malienne. Il occupe plus de 70% de la population active et représente actuellement 40,2% du produit intérieur brut. Aujourd'hui, le secteur est confronté aux aléas climatiques caractérisés par le manque d'accès fiable aux ressources en eau suffisantes qui constitue une contrainte majeure à une productivité agricole soutenue. La présente politique est élaborée à cet effet en vue de permettre au secteur rural de faire face aux changements climatiques dont les conséquences constituent un danger pour la survie des populations. 2. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a informé le Conseil des ministres de l'évolution des prix des produits de première nécessité. Le président de la transition, chef de l'État, rassure la population que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour apporter des solutions à la flambée des prix des produits de première nécessité. Une commission interministérielle présidée par le ministre de l'Industrie et du Commerce sera mise en place à cet effet. 3. Le ministre de la Santé et du Développement Social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus, marquée par une diminution
diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Les membres du Conseil national de transition se sont réunis ce matin en séance plénière. L'objectif était de présenter les rapports de la commission ad hoc relative à l'affaire de l'honorable Issa Kaoudjim, quatrième vice-président du CNT, et par la suite adopter un projet de résolution. Reportage à Estatouré. C'était réellement de mettre les choses dans leur cadre par rapport au règlement intérieur du CNT. Et en ce qui concerne l'arrestation d'un de nous au niveau du tribunal de la commune 4. Donc ça a été l'objet de retracer les faits et qui nous a permis de l'écouter, qui nous a permis à travers ces écoutes, on a produit un rapport. Et on a produit aussi un rapport par rapport à l'immunité des membres du Conseil national de transition qui est en train de passer inaperçu pour beaucoup de gens. Maintenant, au-delà de tout, nous avons utilisé la constitution du 25 février 1992 dans son article 62 avec un cas similaire du cas de Burama Banazole qui s'est passé dans l'OTAN, ce n'est pas une première, et qui autorise effectivement aux membres du Conseil national de transition d'abandonner la détention ou de suspendre. Mais nous avons préféré suspendre uniquement pour aussi ne pas aller en contre-pouvoir, comme si c'est un pouvoir de muscle entre la justice et le CNT, on a ouvert un guillemet en disant que pour ne pas cultiver l'impunité, mais nous demandons quand même à ce qui est la suspension en ce qui concerne l'honorable Kaoudjim pour les circonstances qu'on lui reproche. Donc, cela ne veut pas dire que la commission a travaillé uniquement pour couvrir un de leurs. Non, nous avons fait prévaloir d'abord l'humanité. Il faut reconnaître quand même que la commission a très bien travaillé. C'est le lieu de les féliciter. C'était des personnes de ressources, des éminents juristes qui étaient avec les membres de la commission. Et nous avons été édifiés par les faits, parce qu'il faut les rappeler, et que nous sommes quand même des parlementaires. Nous légiférons les lois. Partant de cela, nous devons avoir les mêmes protections que les députés élus au niveau des circonscriptions électorales. Et il n'y a pas de différence, c'est le contexte qui exige que nous soyons là pour voter les lois et que nous soyons aussi protégés. Et dans l'exercice de ce métier, si un collègue a été accusé de flagrant délit, et nous, on serait resté en marge de cela. On a analysé les faits. Nous déplorons quand même ce qui est arrivé à notre collègue. Et ensemble, nous avons voté à 101 voix pour la libération immédiate de notre collègue Kaoudjim. Il fallait aujourd'hui mettre une commission en place pour déterminer les contours de la flagrance et aussi voir maintenant est-ce qu'aujourd'hui les membres du CNT ont l'immunité parlementaire. Donc c'est pourquoi la commission a travaillé un rapport et sanctionné par la résolution que vous venez de suivre a été votée à la majorité absolue. Nous sommes vraiment l'organe législatif, les membres de l'organe législatif, on a fait notre travail, on transmet à qui des droits et vraiment je crois que les autorités vont en tenir compte. Par rapport à ça, nous avons demandé seulement que la suspension de la détention. À 6 mois, les Lunipleurs maliens attendent de rentrer au pays. Leur retour a été annoncé par la télévision marocaine. Madame Arbi Alima Sissé et les 9 enfants, 5 filles et 4 garçons seront bientôt au Berkaya. La naissance des Lunipleurs est une première mondiale. La maman a été évacuée en mai dernier au Maroc pour une grossesse multiple de 7 fœtus qui s'est avérée être 9 à l'accouchement. Suivons les détails.
Les non-nuplés maliens nés au Maroc ont 6 mois ce jeudi 4 novembre et ils se portent bien. Ils sont toujours à Casablanca au Maroc. Grand prématuré, il a fallu de longues semaines en couveuse et une étroite surveillance médicale. À présent, toute la famille attend de pouvoir rentrer à Tombouctou, ils sont originaires et le quotidien est bien occupé. 9 bébés nés vivant d'une seule et même grossesse, du jamais vu. Une grossesse à très haut risque pour la mère et les bébés nés grand prématuré par césarienne le 4 mai dernier, mais aussi tout le monde se porte bien. La famille est toujours à Casablanca au Maroc dans un appartement médicalisé. Et le père Abdelkader Arbi le répète pudiquement, 9 bébés au quotidien, ce n'est pas du tout facile. Cela demande beaucoup d'attention. Ils peuvent se réveiller tous ensemble, toujours veiller, toujours être là au besoin. Nous sommes là dans l'appartement tellement occupés, les heures et les jours passent très vite, il faut de l'aide. Le couple est épaulé par le petit frère d'Abdelkader Arbi et la sœur de la mère Halima Sissé viennent prêter main forte également des infirmières le jour, des autres la nuit. Les pédiatres de la clinique Aïn Borja passent régulièrement voir les nourriplés. La plus petite Hawa, née à seulement 500 grammes, atteint maintenant les 3 kilos. Ils ont des différences de caractère, confie la maman Halima Sissé. Il y en a qui pleurent, d'autres qui ne pleurent pas. Certains veulent seulement qu'on les porte. Quand les enfants dorment, nous on se repose le temps qu'il se réveille. Mi-octobre, la ministre malienne de la Santé et du Développement Social, Djeminetou Sangaré, est venue voir toute la famille à Casablanca pour évaluer la situation et prépare le retour. Aucune date n'est fixée pour le moment. Le père Abdelkader Arbi prévoit bientôt un voyage en solo en Tombouctou pour réconforter sa fille aînée. Il n'a pas encore 3 ans et n'a pas vu sa maman depuis bientôt 8 mois.